beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour la dernière semaine de ce mois de septembre. Nous sommes lundi 25 septembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. J'espère que vous avez passé aussi un joli week-end. Avant de commencer, je reprends le goût au bonheur. Je suis la santé parfaite. Je reprends le goût au bonheur. Je suis la santé parfaite. Je reprends le goût au bonheur. Je suis la santé parfaite. On termine, n'est-ce pas, avec ce bel oracle du sixième sens et la sagesse d'Ho'oponopono. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le retour. Ça peut être la réapparition d'une personne dans votre vie, peut-être un renouveau. Et sur le plan amoureux, eh bien, cette carte indique la reprise d'une relation après une rupture ou un éloignement. Peut-être que vous aviez besoin de vous éloigner de la personne que vous aimez, eh bien, pour faire le bilan et peut-être parce que vous n'étiez pas en phase avec cette personne et que vous aviez besoin de prendre du recul par rapport à ce que vous viviez, eh bien, le retour, il est là. Vous allez revoir cette personne. Si maintenant, vous êtes dans une attente, eh bien, cette personne va revenir. Maintenant, plus général, eh bien, cette carte peut signifier que vous repartiez peut-être à zéro. Et c'est certainement le signe d'une évolution de votre part. Peut-être qu'avec cette personne-là, vous allez repartir à zéro. Vous avez mis tout à plat, vous avez réfléchi chacun de votre côté. L'amour étant plus fort, vous avez décidé de faire des concessions et de mettre de l'eau dans votre vin. Eh bien, le retour est là. Mais attention, parce que cette carte aussi, elle vous conseille de ne pas reproduire les mêmes erreurs que vous avez faites avant, parce que cette histoire, alors, elle va se répéter. Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience que chacun, vous avez fait des erreurs et le tout, c'est de ne pas les reproduire, n'est-ce pas? Elle vous indique aussi qu'il ne faut pas tourner en rond cette carte, car des changements positifs peuvent se produire si vous vous en donnez les moyens. Bien, voilà ce que je pourrais dire avec le retour. Au point de vue professionnel, il peut avoir un retour d'une situation, un revirement d'une situation. Peut-être qu'il y avait de l'incompréhension au point de vue professionnel et eh bien ça va vous être bénéfique puisqu'il va avoir un retour à quelque chose qui s'est passé, mais ça sera bénéfique pour vous. Je vais terminer par le message d'Ho'oponopono. Tout, absolument tout, ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Bien évidemment, cela veut dire que nous sommes maîtres de notre vie et nous portons les conséquences de nos actes, de nos pensées, de nos décisions. Donc voilà, c'est vraiment, c'est absolument vrai. Donc ayons des pensées positives, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain dans un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.